A tout le monde veut mêler, tout le monde veut chanter. J'crois que je suis le prochain posé sur le chantier. Pourquoi je me mêle, faut pas s'en mêler. Cache bien tes affaires sinon on va s'en mêler. Préfère les périodes déconnectées. J'ai pas de chance, donc j'fais de la chance. Touche partout où y'a moyen de gratter. J'regarde ma dame comme si c'était mon gratin. Hey yo tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Carrière Manager avec Leipzig. Les gars, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Les gars, dans cette carrière, on est très très bien. Enfin, très très bien. Oui et non, il y a plein de victoires, mais bon, on n'est pas dans le top non plus. Face à Dortmund, on a perdu. Un match très important, on avait la victoire en main, mais bon, on a perdu dans les derniers instants, c'est pas grave. Donc là, dans cet épisode, match face aux Young Boys. Pour être qualifié, il nous faut juste un match nul. Voire même si on perd, il me semble que normalement on est qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Match face à Hoffenheim, match face au Werder Bremen et match face à Francfort. Il n'y aura que 4 matchs. On s'arrêtera le 13 janvier. Proposez-moi des idées pour le mercato, les gars. Bon, là, j'ai plus d'argent avec Leipzig, mais bon, si on vend des joueurs ou quoi. On peut potentiellement en acheter, donc n'hésitez pas à m'en proposer, notamment des pépites. Les Young Boys, très mauvaise forme. Allez, c'est parti. Tac, ça joue en contre-attaque. Là-bas, on sait que ça joue bien hein, quand ils sont à domicile. Donc attention, on va mettre Pexao. Openda, ouais, on va le laisser pour la première mi-temps. Henrich, on va le sortir. Et derrière, Gulaski, les gars, il va me falloir une pépite au niveau des gardiens de but. On verra pour Guillaume Rest. Mais c'est chaud, là. Allez, c'est parti. Premier match de la vidéo face aux Young Boys. Let's go. Oh non, la mauvaise passe de Rome. Il avait fait une belle récup, mais bon, derrière, s'il fait ça, la récup, elle sert un peu à rien. Une belle parade de Gulaski. Les gars, il est toujours en forme, toujours concentré dès le début des matchs. C'est magnifique d'avoir un gardien comme ça. Et derrière, oh là là, heureusement que là, il y a Pexao sur la ligne de Gulaski. Et du coup, on peut s'emparer du ballon. Allez, Lucas Paqueta. Pourquoi pas par-dessus pour Openda. Openda, fin de frappe. Oui, Paqueta. Ok, corner. C'était un corner pour les Young Boys. Juste avant. Maintenant, c'est pour nous. Dommage. Bien joué, Schlager. Magnifique. Lucas Paqueta. Magnifique, ça aussi. Schlager, oui. Openda. Mais l'action, elle est magnifique, les gars. On n'a que des techniciens dans l'équipe. Incroyable. On a bien su garder le ballon. Bien su se faire la passe. Hein. Des fois, c'est compliqué, mais là... Franchement, c'était fluide, contrôle orienté d'Openda, frappe, et encore un but pour lui en Ligue des Champions. 9e but en 3 matchs seulement, les gars, ça fait de lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est tout simplement incroyable. Bien joué, Rome. Magnifique, aïe, aïe. Bien joué Gulaski, parfait, ok. Allez, juste avant la mi-temps. Les gars, la première mi-temps, elle est passée vite. Faut tenir, attention, bien joué. Oh là là, heureusement que c'est contré, là c'est à côté. Heureusement pour nous, allez, on mène 1-0. Donc pour l'instant, les gars, on est bien évidemment qualifiés. Deuxième de notre phase de poule. On va faire entrer Luke Eba, et puis pour l'instant, c'est le seul joueur qu'on va faire entrer. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Comme je vous ai dit, là, pour l'instant, notre place en 8e de finale, elle est assurée. J'aimerais bien aller minimum en demi-finale de Ligue des Champions. Ça va être dur, mais bon. C'est possible. Pexao, magnifique pour Openda. Et le 10e but de Leis Openda en 3 matchs, les gars. Il vole comme un oiseau. Telle la célébration. Magnifique. Incroyable, les gars. 10e but déjà pour lui. Après... Bon, il a marqué 2 quadruplés face à une équipe très très faible. Mais il faut les marquer, les quadruplés. Il n'y a pas tout le monde qui les marque. Donc, ça fait super plaisir d'avoir cet attaquant-là dans notre équipe. Et du coup, les gars, c'est parti. On va essayer d'aller mettre le triplé avec lui. Bien joué, le tacle. Magnifique. Timo Werner.
Avec Openda, c'est mal donné. Mais c'est bien récupéré, mais il est hors jeu. Ouais, je me suis l'arbitre. C'était sorti, hein. Allez, on va faire des changements. Openda, on va le laisser. On va essayer de mettre le triplé avec lui. Aïdara, il va rentrer. C'est Wald aussi. Et puis voilà, pour l'instant, c'est tout. Let's go. Il reste 18 minutes, les gars. Il reste une place pour mettre un but, là. Mais attention, faut pas s'en prendre. Bien joué, Goulaski. Goulaski. Bien joué, Lukeba. Bien joué, Pexao. Allez, mon grand. Pexao pour Openda. Purée, dommage. Il reste 30 secondes, les gars. On va. Voilà, c'est fini. Donc, victoire de 0 ici en Suisse. Pour l'instant, bah, nous, on continue notre aventure en Ligue des Champions. Quoi? Wagner a fait 2-2 face à Manchester City, les gars. Waouh, la surprise de malade. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Donc, au niveau de la Bundesliga, on est quatrième avec 7 points de retard sur le Bayern, 4 sur Mönchengladbach et Dortmund. Donc, en vrai, de vrai, ça va. Hop, au niveau de la Ligue des Champions, on jouera face à l'Inter de Milan en 8e de finale. Les tirages, ils sont tombés. Arsenal, Dortmund, Naples, City, Séville, Bayern, Paris, Atlético. Waouh. Ok, il y a des grands matchs. Il y a de très 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 gros matchs. Le Barça, 6 matchs, 6 victoires. Et nous, on joue contre l'Inter. L'Inter qu'on finit premier. Ils n'ont pas perdu un seul match. Ça va être chaud, mais bon, je pense qu'on peut le faire. Hein. Les anciens finalistes de la Ligue des Champions. Tac, 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 tac. Ok, tout ça, c'est parfait. Ouais, on va accepter. Ça, on va rejeter. On va rejeter et on va rejeter ça aussi. Les gars, je pense que je vais accepter l'offre de sélectionneur du Portugal. On fera une carrière sélectionneur avec le Portugal. Ouais. C'est parti. Let's go. J'ai une idée de concept. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la carrière Leipzig, hein, les gars. Ça va être complètement à part. Donc là, on va jouer face à Hoffenheim, Berisha, Werghost, Ensoki. Ouais, c'est une bonne équipe, Hoffenheim, quand même. Allez, c'est parti. Openda qui est fatigué, mais je suis obligé de le faire jouer la première mi-temps. Olmo, Simon, Schlager un peu fatigué. On va faire jouer Eidara. Rome, il est KO. On va faire jouer Henry. Et Goulaski, ouais, on peut pas. On peut pas, on peut pas. Donc, let's go, les gars. Match face à Hoffenheim à domicile. Loïs Openda, meilleur buteur. 17, c'est son numéro. 5 buts marqués dans les 3 derniers matchs. C'est complètement fou. Allez, coup d'envoi donné par nous-mêmes. On veut la victoire. Oh là. Oh là 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 là. Ça démarre très très mal, les gars. On perd 1-0. Perte de balle très très bête. Werghost qui marque. 3ème minute de jeu. Timo Werner, mais oui, allez, t'es tout seul, mon grand, t'es plus rapide que tout le monde. Mais oui, Timo Werner, oui! Bon, je voulais faire marquer Loïs Openda, les gars, mais il me semble que c'est Ensoki en plus. Hein. Ensoki qui revient, qui tacle contre son camp à la 14e minute de jeu. Ça aurait pu être un but de Loïs Openda et une passe D de Timo Werner, mais non. But contre son camp, mais on prend, hein, bien évidemment, à partout. Nous, on veut la victoire, allez. Allez, Henrich. Oui. Bien joué, Ida. Paqueta. Timo Werner qui se retourne bien. Oh là 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 là, dommage, j'aurais été dû lober. Xavi Simons. Magnifique, mon grand. Allez. Loïs Openda. Pour Ida. Wow. On a failli marquer avec Ida là, dommage. Dani Olmo. Le centre pour Openda. Wesh, qu'est-ce qui se passe là? Wesh, c'est quoi ce cafouillage de ouf? Bien joué avec Xavi Simons. Hop. Wesh! Non, la passe, je la voyais déjà dans les pieds de Paqueta, dommage. Mi-temps. Un partout du coup face à Hoffenheim. C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Openda, il est un peu fatigué. On va pas forcer sur lui pour qu'il se blesse ou quoi. Donc allez, on le remplace par Sesco.
et on espère une grosse deuxième mi-temps de la part de nos joueurs pour gagner ce match. Ouais, c'est quoi cette pression qu'ils mettent là? Wow. Et oui, ça finit au fond, bah oui, on laisse tirer, on laisse tout seul. Purée, 2-1 but de Promel. Bien joué, Goulaski. Belle parade ça, sur sa ligne. Wow. Il est KO les gars, il a plus d'énergie, mais à chaque fois il donne le meilleur de lui-même. C'est parfait, bien joué Daniel Mo. Et les gars, c'est n'importe quoi là, comment ils jouent. C'est n'importe quoi comment ils jouent, ils font n'importe quoi, des passes où ils veulent. C'est waouh, on se prend 3-1 du coup. Oh là 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 là, Timo Werner qui passe pas en un contre un. Derrière, c'est encore n'importe quoi dans ma défense. Les gars, wesh. Bien joué ça, bien défendu. Allez, reste. Mais c'est quoi cette passe? Purée! Vas-y frère, 4-1. C'est trop. Il fait n'importe quoi. Il va plus jouer, le latéral gauche là. Plus aucune minute. C'est quoi cette passe? Oh là là, et Daniel Mo derrière, il se fait soulever. Les gars, on n'est pas dans notre match. C'est un truc de ouf. Allez. 4 minutes maintenant, il reste. On défend n'importe comment, c'est trop là. On était bien en Bundesliga. Là, ça va enchaîner deux défaites. Dortmund et celle-là. Aïe aïe aïe, Xavi Simons. Dernière minute de jeu, ouais. Non. Et là, on va se prendre le 5-1. Ouais, c'était sûr. L'ordinateur ne rate pas ce genre d'action, les gars. 5-1 du coup pour Hoffenheim. À domicile, ça fait très très mal, sachant qu'en plus, le but qu'on marque, c'est un contre son camp. Donc, c'est même pas nous qui l'avons vraiment marqué. C'est trop. En plus, Dortmund, ils ont fait match nul. On aurait pu se rapprocher d'eux, mais bon. C'est comme ça, c'est le football. On est 6e maintenant. Wow, ça va vite aussi en Bundesliga, hein, purée. Ouais, ok, l'équipe de Werder Bremen, on s'en fiche en vrai. Goulaski, il va mourir là sur le terrain, là. Il a plus d'énergie, les mecs. Et je peux mettre personne en vrai, Klostermann. Orban, allez hop, on va mettre Paqueta. Lukeba, pardon, quoique El Shaddai. Ouais, non, on va mettre Lukeba. Boum, ici on va mettre Pexa. Non, on va mettre Forsberg ici, tiens. Forsberg, Xavi Simons, ça va, Openda fatigué, mais on va le faire jouer. Et Sesko, on va mettre Poulsen sur le banc, El Shaddai sur le banc, Lance sur le banc, Moriba sur le banc et Pexao sur le banc, voilà. Allez, c'est parti, face au Werder Bremen, faut se reprendre là. En Bundesliga, ça va plus. Oh là là là. Ouais. Heureusement qu'il rate sa frappe complètement. Attention, vite en cours. Oh là là, rap. Bien joué, non, on n'a pas récupéré. Pourquoi je dis bien joué? Attention, bien joué Goulaski. Les gars, il est trop fort, Goulaski. Trop. Normalement, là, c'est le dernier match de l'année. Ça va lui faire du bien. Après, il va pouvoir se reposer, enfin. Et deuxième corner d'affilée pour le Werder Bremen. Bien joué, bien défendu. Mais on récupère toujours pas le ballon. C'est grave, les comptes favorables qu'ils ont, les gars. Bien joué, Goulaski. Très, très bon réflexe. Allez, on va faire toute la fin de la première mi-temps ensemble. Et attention, là, les supporters ils mettent de l'ambiance, les joueurs ils mettent de la pression, bien joué. Ok, c'est à côté, heureusement pour nous. Devant le virage de Werder Bremen. Les gars, là, c'est chaud. Hein. C'est très très chaud. Allez. Oh, purée. Dommage. Bien joué, Xavi Simons, ça sort pas. Allez les gars, là si on arrive à en mettre un avant la mi-temps. Paqueta.
Bien joué. Oh, mais non. Malheureusement, on n'a pas su conclure l'action. Dommage, allez. Il va nous rester 45 minutes, les gars, pour marquer un but. Allez, c'est parti. Bien joué, Frosberg. Cesco, mais la frappe, elle est complètement à côté. Elle est moche, en plus, sa frappe, là. Bien joué. Cesco, en dehors, encore une fois, à côté. Les gars, on est trop nuls, ouais. Allez, il reste 13 minutes. Mince. Il reste 13 minutes, les gars. On va faire ça ensemble, en espérant, bien évidemment, gagner. Parce que si on gagne pas, ça sert à rien. Oh là 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 là, allez, Weiser sur le côté gauche. Enfin, le côté gauche pour nous. Pour passer leur côté droit. Friedel, Keita, ça va décaler. Mais oui, bien joué. C'est Naby Keita, les gars. Le joueur de Liverpool, là. Il joue au Werder Bremen maintenant. Vous ne savez pas du tout. Wesh! C'est qui, il est puissant comme ça, là? Oh là là, Xavi Simons. Oh non, Poulsen, frérot, il reste plus de 2 minutes. Oh là 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 là. Non, les gars, les gars, les gars. C'est mort, par contre, on perd pas. Je veux bien faire match nul, mais perdre dans les dernières minutes ici. Non merci, donc les gars c'est la fin de ce match. On fait 0-0, match nul en Bundesliga, ça va plus les gars. Défaite face à Dortmund 4-3. Défaite 5-1 face à... comment ça s'appelle? Hoffenheim. Match nul face au Werder Bremen. Les gars là il y a un petit moment de crise hein, on dirait. Frosberg qui part, ah oui c'est vrai. Wow. Est-ce qu'il nous a rapporté de l'argent au moins? Parce que s'il part comme ça... Ah ouais, Carvalho il est parti. Ok, bon bah... Les gars. Ouais, bah cool, hein, cool. Tac, tac, plan de développement, MOC. Oh, lui, vraie pépite, mais bon, on peut pas encore le recruter, ok. Tac, classement, ça donne quoi? Ça donne qu'on est 6ème. On est loin. On est loin de notre objectif. Rapport mensuel, est-ce qu'il y a un gardien? Lui, en tout cas, il a l'air bon. Ça va, on va le prendre. Non. Bon, lui, c'est un gardien, on va le prendre. Parce qu'on a vraiment besoin d'un gardien. Après, les gars, on va regarder quand même des offres et tout. Rome, en vrai, j'aime beaucoup. Donc, on va le garder pour l'instant. Je tenais à vous informer que je m'inquiétais. Daniel Mo, frérot, reste ici. Tac, du coup, accueil. On va regarder les joueurs où leur contrat se termine bientôt. Il y a Xavi Simons, les gars. Ouais, mais pour l'instant, on peut pas l'acheter. Poulsen dans 5 mois, Klosterman aussi. Va falloir en prolonger certains, là. Mais juste avant... Je vais essayer de regarder s'il n'y a pas un gardien agent libre qui se balade, les gars. Ah oui, c'est vrai. Ouais, reste, il coûte ouais, beaucoup trop cher. Mélier, ouais, ils veulent le vendre. Il coûte que 10 millions en plus, Mélier, mais on peut pas. Chéro, Guirassy, on peut pas. Chercher joueur, voilà, c'est là que je voulais aller. Donc, agent libre, poste, gardien. Et c'est parti les gars, on va essayer de trouver un bon gardien qui pourrait être pas mal en tant que remplaçant. Ah, il n'y a que ça. Bon. On va demander au recruteur de regarder tout ça. De toute façon, c'est juste un gardien remplaçant, histoire que notre poteau, il se remette en forme. Et puis voilà, hein. Apprêté. André Gomez, ça peut être pas mal lui. Hop, comme ça on a une petite pépite aussi, ça pourrait être vraiment pas mal. Boum boum, y a qui d'autre là? Ouais, y a plus personne. Donc ouais les gars, on va attendre que les recruteurs y reviennent. Et puis comme ça, on recrutera un second gardien pour que Gulaski se repose. Normalement là, il a récupéré en plus. Offre de transfert pour Simakan. Non, désolé Simakan, on va bloquer les offres. Il reste à Leipzig toute la saison au minimum.
Tac, on est sixième. 3 points de retard sur le quatrième. Faut absolument gagner contre Francfort, sinon ils vont passer devant nous. Dernier match de la vidéo. Mince, je voulais pas faire ça. Hop, rapport d'avant-match. Ils ont qui? Rafa Mir, Mario Götze, Rode. Ouais, ils ont une bonne équipe. Donc c'est parti, Francfort. Boum, c'est parti. C'est bien défendu. Wow! Mes deux défenseurs, les gars, à la rue. Sanabria là. Heureusement, Goulaski, il a bien géré. Oui! Ça tape le poteau derrière. Let's go! On perd. On n'encaisse pas de but. Mais attention, on a très très chaud. En plus, Francfort qui continue de mettre la pression là. Xavi Simons, allez! Explosivité, mon gars! Oh non, je le sentais les gars. Plat du pied parfait, petit filet, Rafa Mir qui marque 1-0 pour Francfort ici, à domicile. Oh là là les gars, c'est catastrophique, purée. Oh, on voit rien avec le drapeau là, les supporters. C'est de l'anti-jeu ça, bien joué. Oh là là, et derrière, on perd la balle aussi rapidement. C'est trop les gars, allez où notre magie là? On mettait 50 buts par épisode là. Oh! Le dernier match, on a fait 0-0. Dernier match à domicile, on marque qu'un seul but. Pourtant, ça avait bien commencé face aux Young Boys, mais après, on ne voit plus. Allez là, purée. Oh là là, Goulaski, qu'est-ce qu'il est fort et derrière. Bon, il était hors jeu. Donc s'il avait marqué, il n'aurait pas eu but, mais. La parade de Goulaski, les gars, à retenir. Vraiment. Bien joué avec Xavi Simons. Voilà, là, je te reconnais. Là, t'es explosif. Mais derrière la passe, c'est de la merde. Les mecs, wesh. On est trop. Xavi Simons. Et encore une fois. Mais non, mais. Purée, il reste 4 minutes. Allez, il faut marquer avant la mi-temps. Pas possible, là, de rentrer au vestiaire et d'être encore une fois mené. Oh. Les gars. Chaibi, l'ancien joueur de Toulouse. Qui est parti à Francfort du coup. C'est pas mal pour lui. Bien joué. Oh là là, mi-temps, on perd 1-0. Il nous reste 45 minutes pour renverser la situation. Allez, c'est parti. Bien joué. Schlager la frappe de loin, mais c'est arrêté par Kevin Trapp. Cette dernière occasion illustre. Ok, deux ailes de pigeon les gars. Je pense que ça peut faire but. Hein. Oh là là, la frappe d'Openda était pas mal. Il avait pas un bon équilibre et tout. Mais ça a bien fini. Corner qui ne donnera rien. Bien joué Goulaski. Encore une belle parade de notre gardien préféré les gars. La saison qui nous sort, franchement, je suis très très content de lui. Pas surpris parce que je sais que c'est un bon gardien. Mais bon, un peu quand même. Il fait des superbes parades, les gars. Et vu son âge, il est vraiment on fire, limite à son prime. Dani Olmo, ok. Paqueta. Paqueta, on passe pas. Bien joué Olmo. Paqueta. Werner, s'il te plaît, faut pas la rater. Cette passe, il reste 7 minutes. On va faire la fin du match ensemble pour éviter une défaite de plus dans cet épisode, les gars. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est catastrophique, là. Bien joué, Dani. Allez, mon grand. Oui. Allez, les gars, venez l'aider, là. Il n'y a pas de solution à part Paqueta. Oh. Oui, Werner. Dani Olmo. Openda. Timo Werner. Timo Werner, non! Oh là là, les gars, comme par hasard, on peut pas contrôler Schlager au bon moment. Ça fait que derrière le défenseur, il passe devant nous, purée. On perd encore une fois. Épisode catastrophique, les gars. C'est le pire épisode de la saison avec Leipzig, là, je crois.
Alors qu'on revenait bien dans le championnat et tout, mais bon là, voilà quoi. Eidara, non, pour l'instant on va rejeter, hein, je compte encore sur lui en tant que remplaçant. Accueil transfert, on va regarder les gardiens, 64, 73 de général à 28 ans. En vrai de vrai, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. On verra dans le prochain épisode si je le prends ou pas. Si vous avez d'autres gardiens, les gars, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que si, du coup, il n'y a pas le gardien de Benfica là. Attendez, hop, hop. André Gomes. Ah, il a été vendu là-bas. Purée. Bon, les gars, conseillez-moi des joueurs. Et puis, on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!